Donc on se retrouve à la fin de cette dernière manche de Pont de Vaux avec l'équipage qui finit troisième sur le podium, le numéro 53, qui, je dirais, comme l'équipage numéro 4, faisait partie des outsiders et qui, l'air de rien, a profité et grappillé et assuré une bonne course, en fait, tout le long de l'épreuve, qui a tenu sa place, mais en fait, qui a pu gagner, en fait, cette place de troisième grâce aussi à l'abandon de deux équipages. Ça fait partie de la course. C'est pas déméritant pour vous, au contraire, parce que vous avez fait votre boulot du début. Et Étienne, tu peux me présenter tes petits camarades? Tu sais pourquoi d'ailleurs, hein, parce que moi je m'en souviens pas. Donc moi, Étienne Lejeune déjà, Julien Artout, avec qui on a fait quelques endurances ensemble cette année, et Florian Mangeau, un sale gosse. Alors Florian, je sais pas ce qui se passe, mais je suis à quelques centimètres de toi, il y a une odeur bizarre qui se dégage, tu peux me dire ce que c'est? Bah les copains ils m'aiment pas trop, donc ils m'ont arrosé. Tu t'es fait pourrir au champagne, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, à part le champagne, qu'est-ce que vous avez aimé dans cette épreuve cette année? La boue, surtout. Ouais. Toi, t'aimes ce qui est liquide, en fait, dans l'histoire, ouais. Ok, d'accord, ouais. Ouais, c'est clair. Non, après, comment ça s'est passé? Bon, il y a pas mal d'équipages qui ont commis des soucis. Alors, c'est vrai que tout le monde a souffert des conditions difficiles. Qu'est-ce que ça a donné pour vous par rapport à la course par elle-même? Est-ce que vous avez eu des problèmes techniques sur l'ensemble de l'épreuve? Est-ce que vous avez des difficultés stratégiques par rapport aux imprévus, etc.? Comment ça s'est passé? Allez, on commence par toi. Bah... Ok, on passe au suivant. Non, ça s'est bien passé. Bon, on a fait des gros relais. C'est grâce à ça, je pense, qu'on est arrivé à tenir une bonne place. Je te coupe. Des grands relais, c'est combien de temps? 1h30. D'accord, ça fait des grands relais, effectivement. Ouais, donc je pense que c'est surtout aussi dans la boue que ça nous a permis de rattraper un peu de temps aussi. Et pourquoi vous avez rattrapé du temps dans la boue par rapport à la longueur des relais? Mais c'est le pilotage, c'est quoi? Quelle est la différence par rapport aux autres? On n'est pas rentré au stand, quoi, pour changer de lunettes, rien du tout, donc je pense que c'est ça qui a fait beaucoup. D'accord, c'est-à-dire qu'en fait vous avez subi plutôt que d'essayer de nettoyer tout ça, les phares et le reste, et vous avez dit on lâchera pas, quitte à en avoir plein les yeux, quoi. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et Étienne, t'as quelque chose à rajouter sur tout ça là? Non. Sinon, mais je suis très content parce que on a fait vraiment ça entre nous. La machine, c'est une machine à moi qu'on a révisée. Nous, on se connaît bien, on est entre potes et ça fait vraiment plaisir d'avoir fait une place comme ça entre nous, quoi. Vous rouliez sur quoi comme quad? Un Suzuki Alter, bah celui de ma saison, en fait, on l'a simplement révisé parce que moi, on n'avait pas trop de moyens, donc on a fait avec les moyens du bord et voilà, ça, tout s'est bien passé, même si c'est de l'occasion, tout a tenu. On n'avait pas de pneus au départ. On est arrivé, on n'avait pas de pneus en fait. Donc on s'est débrouillé pour trouver des pneus à droite, à gauche. Et les quatre, ils ont tenu, donc c'était bien. Ça, c'est énorme comme truc. Bah toi que t'arrives à dire quelque chose. Bon, et un dernier truc justement là, puisque j'ai l'impression que tu te relâches un peu, tu te détends tranquille. Là on parle de technique, on parle de course, de stratégie, mais dans la tête là, t'en es où là? Le nuage il est haut, il est bas, il est comment? Bah il est haut là, parce que c'est gratifiant quand même de faire 3ème à Pont de Vaux, c'est mondial. Il y a beaucoup de nations et c'est super quoi, surtout avec ce qu'on avait au départ par rapport aux autres teams qui étaient à côté de nous quoi. Et puis l'aventure que vous avez vécue, bon, vous l'avez vécue à trois, mais après ça reste quelque chose de très personnel aussi. Et je pense que dans la tête, c'est ce qui restera des années, ça c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Puis je voulais passer aussi un grand merci à Bailly Loisir qui nous a refait le moteur. Et bah, tous ceux qui nous ont soutenus et tout le team. Merci Prise Unique, merci Canal+. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, bon courage les gars, puis félicitations encore une fois, merci à vous.